Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Le Coin Montagne à Serre-Chevalier. L'automne est bien arrivé, alors si vous entendez que j'ai une voix bizarre, eh bien c'est normal, je suis malade, mais rassurez-vous, je ne vais pas m'évanouir avant la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va reparler d'un convertible, le Billy, gain de place, convertible rapido, range couette, confort, super matelas, bref, il a tout pour lui le petit Billy. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce petit Billy? Eh bien, d'un point de vue extérieur, vous remarquerez la présence de pieds en couleur vinguée ou noire, si vous ne voyez pas les couleurs comme moi. L'avantage que ça a, c'est que ça permet de diminuer un petit peu l'encombrement et de le paraître un peu moins massif, ce Billy. Aussi, chose très importante, et c'est ce qui le caractérise, eh bien, c'est ses petits accoudoirs qui ne dépassent quasiment pas du canapé. Ainsi, pour un couchage en 140, on a un canapé qui mesure 1,67 m de large. Et ça, c'est vraiment idéal. Au niveau du look, vous verrez, très sobre. Et maintenant, on va passer à l'assise. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette assise? Eh bien, cette marque Diva, on fait beaucoup d'efforts au niveau de la mousse de leur canapé, surtout sur des gammes comme celle-ci. Là, on est sur du 35 kg, mais une mousse qui est vraiment super confortable. Le dossier reste tout à fait convenable, sachant qu'il y a un range-couette dedans. Donc, on est bien assis sur ce Billy. Niveau profondeur d'assise, c'est pas mal. Les personnes les plus petites, c'est sûr, préféreront mettre un coussin derrière pour pouvoir toucher le sol. Ça, c'est normal, hein, sinon pour se relever, c'est compliqué. Mais en tout cas, on est vraiment bien installé. Bon, bah, je crois que c'est tout bon, on va aller se coucher maintenant. C'est parti. Donc maintenant, le dépliage, je vous le montre, hein, mais maintenant, vous êtes devenus des experts du convertible. Vous avez vu, toujours la même table basse, en exclusivité depuis 1962 en magasin. Non, je plaisante. Hop. Et en plus, j'ai fait des efforts, je vise mieux maintenant. Voilà. Alors, comme d'habitude, on enlève les deux petits coussins. Et là, toujours la fameuse sangle. Hop. Là, petite précision, on voit le range-couette. Alors attention, c'est pas un range-couette qui est aussi gros que sur certains modèles, mais ça vous permettra quand même, pour une couette en 2,42-20, en tassant un peu, il n'y a pas de souci, ça rentre. Voilà. Et voilà votre Billy. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier au niveau du matelas? Là-dessus, l'avantage, c'est que vous avez un convertible qui est quand même très confortable. C'est un matelas Simons Blue Planet en 45 kg de densité et en 14 cm d'épaisseur. Donc c'est pas du couchage quotidien, par contre c'est un excellent couchage. Si vous avez ça en résidence secondaire et que vous y dormez 2-3 mois dessus, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très bien. L'assise, c'est des sangles souples, comme d'habitude, pour éviter de durcir votre confort. Et pour le reste, c'est un treillis métallique. En tout cas, la mécanique est vraiment super bien. Et là, il y a vraiment de quoi dormir un sacré moment. Alors voilà, donc bien sûr, ce que je viens de faire, à ne jamais reproduire à la maison, sauf la présence d'un professionnel, surtout si vous ne voulez pas changer votre canapé chaque année. Donc, pour le replier, ben voilà, vous commencez à connaître aussi, on se met bien devant, j'insiste bien sur le fait qu'on n'attrape pas la mécanique sur le côté, donc bien perpendiculaire, hop, plus quand vous aurez la classe comme moi, vous pourrez le faire qu'à un bras, hop, et après, voilà, tout est replié. Donc pour finir sur ce joli petit Billy, vous aurez le choix en plein de tissus, compositions différentes, du lin, du polyester, du coton, sachant que vous pouvez déhousser le dossier, les assises et les petits coussins déco. Voilà. Encore merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour un nouveau canapé. Allez, au revoir.